Je vous en prie. Seigneur notre Dieu, comme à chaque fois que nous ouvrons ta parole, Seigneur, nous sommes reconnaissants de la posséder entre nos mains, mais surtout dans nos cœurs. Nous sommes heureux de pouvoir la contempler, la méditer, l'approfondir, tirer leçon pour nos vies. Seigneur, si nous sommes réunis ce matin autour de cette parole, c'est parce que nous pensons, Seigneur, nous croyons, nous sommes convaincus qu'elle est la vérité et qu'elle est la seule autorité pour nos vies. Seigneur, veuille encore nous conduire et nous diriger, nous avons besoin de toi. Nous voulons sans cesse aussi te remettre les enfants qui, eux aussi, vont être en contact avec ta parole, afin que les graines qui sont semées puissent tomber dans la bonne terre, Seigneur, dans leur cœur, et porter beaucoup de fruits, du fruit à salut et du fruit éternel. Seigneur, dans toutes ces choses, nous sommes bien petits, mais nous comptons sur ta puissance, Seigneur, nous comptons sur ton esprit, nous comptons aussi sur tes promesses dans ta parole. Sois béni notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 On va commencer avec un premier verset dans le livre des Proverbes, c'est Proverbes chapitre 22. Proverbes 22 et le premier verset, simplement. Proverbes 22:1. Voilà. Il nous est dit ici dans la parole de Dieu, la réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. On va juste s'attarder sur la première partie du verset. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur la seconde. Hein, dans la première partie du verset, il est question de la réputation, qui est préférable à de grandes richesses. Hein. Donc la réputation, c'est ce que les autres pensent de nous. C'est ce que nous reflétons, hein, aux yeux des autres. Et alors il y a la bonne réputation, il y a la mauvaise réputation, il y a la bonne réputation qui est fausse, qui peut être hypocrite ou trompeuse, il peut y avoir la mauvaise réputation qui n'est pas vraie non plus, parce qu'il y a des choses qui ont été colportées qui ne sont pas vraies, hein. Voilà, il y a beaucoup de réputations qui existent. Mais ici, il nous dit que, voilà, la réputation, sous-entendu la bonne réputation, selon Dieu, hein, elle est préférable à de grandes richesses. C'est quelque chose d'important. Alors pour la plupart, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est parti en vacances il n'y a pas longtemps et on est dans un autre pays. On est allé en Crète, d'accord? Donc on a rencontré les Crétois et puis on avait lu, on s'était renseigné avant d'y aller. Et vous savez, tous les peuples, tous les pays ont des réputations. Voilà. Vous regarderez, si vous voulez vous amuser, regardez la réputation des Français à l'étranger, vous allez voir, c'est très rigolo. Ou pas. Mais voilà. Donc en tout cas, nous, on s'était un peu renseignés, tout ça, on avait acheté le guide du routard, machin, voilà. Et ils vantaient les mérites du régime crétois, nutritionnel, d'accord? On en a parlé aujourd'hui. Ils vantaient aussi l'hospitalité et l'amabilité des Crétois. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on a trouvé sur place, on va pas se mentir, mais peu importe, voilà. Ils avaient une certaine réputation, d'accord? Et moi, ce qui m'a interpellé quand on a choisi d'aller en Crète, c'est que la Bible parle des Crétois. Alors c'est en titre, on va le prendre ensemble. Il y en a qui ont des bonnes, il y en a qui ont des mauvaises réputations. J'ai cherché, on allait dans une église là-bas, pendant que vous tournez vos Bibles là, jusqu'à Tite, on allait dans une église là-bas, et je cherchais une église crétoise. Évangélique. Donc on a trouvé une église sur internet, on y allait dimanche matin. Il s'avère que le pasteur, bon, le responsable si vous voulez, le responsable qui était là, c'était un missionnaire canadien. Et celui qui a prêché ce jour-là, c'était un anglais de passage. Bon, alors on n'a pas trop été en contact avec plus que ça de chrétiens et crétois, mais j'aurais bien aimé leur demander par rapport à ce passage comment eux ils abordent la chose, c'est quand même voilà, surprenant. Mais en tout cas ici,
Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à Tite et qui dit à Tite, donc au verset, je vous ai donné le verset ou pas? Non, je ne vous ai pas donné le verset. Tite 1, on va dire nous 12 à 13, hein, mais au verset 5, déjà, Paul dit à Tite, voilà, moi je t'ai, il dit à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, etc., etc., etc. D'accord? Donc, Paul dit à Tite, je t'ai laissé en Crète pour exercer un ministère, pour exercer quelque chose. Et dans son développement plus loin, au verset 12 et 13, Paul dit, l'un d'entre eux, leur propre pauvre prophète, donc c'est Épiménide, hein, dont il s'agit, c'est un auteur qui n'est pas chrétien, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre et paresseux, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends les serments, afin qu'ils aient une foi saine. Ok, on va s'arrêter là. Mais c'était à l'époque, on précise quand même, parce que sur les époques ça change, mais c'était à l'époque, c'est quand même, c'est quelque chose quand même, vous vous rendez compte, c'est marqué dans la parole de Dieu. C'était à l'époque la réputation qu'avaient les Crétois. Et Paul, inspiré par Dieu, dit ici, non seulement c'est une réputation, mais c'est vrai. C'est réellement la manière dont se comportaient à l'époque, bien sûr, hein, les Crétois. Et donc c'est intéressant cette réputation qu'ils avaient, qui est donc pour le coup, alors c'est, là c'est un peuple, il ne s'agit pas essentiellement des chrétiens qui étaient là-bas, hein, c'était le peuple, voilà, le peuple crétois, mais c'est la réputation qu'ils avaient. Et donc la question pour nous ce matin, c'est quelle réputation nous, nous avons. Alors bon, en tant que Français, on est noyé dans la masse, certes, mais en tant qu'individu, je suis qui je suis, et en tant qu'Église, nous sommes aussi qui nous sommes. Et quelle est notre réputation? Comment est-ce que les gens du dehors, les visiteurs, ceux de passage, ceux qui restent un peu puis qui partent, hein, comment est-ce qu'ils nous qualifient? Comment est-ce qu'ils parlent de nous? Alors parfois, il y en a qui parlent mal, c'est parce qu'ils ont de mauvaises intentions, d'accord? Et de manière générale, quelle est la réputation que nous, nous renvoyons en tant que chrétiens, individuellement, et en tant qu'Église, en tant qu'Église? Dans la parole de Dieu, on trouve malheureusement, parfois, des églises qui ont eu, à certaines périodes, encore une fois, hein, parce que tout peut changer, tout bouge avec le temps, et surtout par la grâce de Dieu, encore une fois, hein, mais on trouve des églises qui n'avaient pas toujours bonne réputation. Par exemple, un Corinthien, bien évidemment, hein, c'est l'exemple facile, entre guillemets. Heureusement qu'ils étaient là, ces Corinthiens. Un Corinthien, chapitre 5. En 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du premier verset, Paul, il leur dit, en écrivant aux Corinthiens, il leur dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. On ne va pas rentrer dans les détails de toutes les églises de Corinthe, n'est-ce pas? Mais Paul, il écrit à cette église et il leur dit ce qu'on entend généralement dire de vous. Donc il y avait des gens qui passaient dans cette église, il y avait des chrétiens qui passaient dans cette église et qui après allaient dans d'autres villes, ils voyageaient, ils bougeaient pour le commerce, pour autre chose. Il y avait un peu moins de vacances peut-être à l'époque. Mais ils allaient voir d'autres églises, ils bougeaient. Et de manière générale, ce qui était dit de l'église de Corinthe au moment où Paul écrit la lettre, parce qu'après il y a des changements, hein, au moment où Paul écrit la lettre, de manière générale, cette église était réputée, donc c'était la réputation de cette église, elle était réputée pour abriter de la débauche. Alors il y a d'autres choses que Paul reproche dans la lettre et qui étaient connues, hein, à droite et à gauche. Il y avait des clans, il y avait des partis, etc. Il y avait plusieurs choses. Hein. Il y avait le repas du Seigneur qui était pris pas comme il fallait. Mais en tout cas, voilà, c'était la réputation, la triste réputation de cette église. Et là, on ne parle pas d'un converti, on ne parle pas du peuple des Corinthiens en général dans leur ville. Hein. On parle spécifiquement ici des frères et sœurs qui, à l'époque, vivaient à Corinthe. Vous imaginez cette réputation? Et bien, pour la défaire, c'est pas évident. Une réputation, elle est très facile à faire. Très facile. Il suffit pas grand-chose pour faire une réputation. Bonne ou mauvaise, d'ailleurs, dans les deux sens. Hein.
suffit d'un rien du tout. Mais pour rattraper derrière, c'est pas évident. C'est difficile. C'est difficile. Et si donc du coup, dans l'église de Corinthe, nous avons cette mauvaise réputation, mais nous avons aussi dans la Bible, bien sûr, des exemples de bonne réputation de certaines églises qui étaient réputées pour marcher selon le Seigneur, ou de certaines personnes qui étaient réputées pour marcher avec le Seigneur. Un Thessalonicien, si vous tournez avec moi. Un Thessalonicien, chapitre 1. Et à partir du verset 6. On a ici la réputation de l'église qui était à Thessalonique, pour le coup. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 6. Et vous-même, donc c'est toujours Paul qui leur écrit là, hein, aux Thessaloniciens, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. C'est un beau passage, à d'autres égards aussi. Mais ici, voilà, Paul y dit, en tout lieu, votre foi en Dieu, à vous, Église de Thessalonique, votre foi en Dieu s'est fait connaître, en tout lieu. On n'a même pas besoin d'en parler. Paul n'avait même pas besoin de les prendre comme exemple, parce que ils savaient déjà qu'à Thessalonique, il y avait des chrétiens qui marchaient avec une foi ferme. Ils étaient fidèles dans le Seigneur. Ils étaient devenus un modèle pour les croyants de toute la région et autour. Hein ? Cette église était devenue un modèle, carrément. Un modèle. Donc là, voilà, c'est l'exemple d'une bonne réputation d'une église. Et nous, en tant qu'Église, où est-ce qu'on se situe dans tout ça? On a des frères et sœurs, parfois, qui passent nous voir, qui partent, qui retournent dans leurs églises. Quel est le témoignage que nous, en tant qu'assemblée, ensemble, nous portons à Jésus-Christ? En 3 Jean, donc 3e épître de Jean, 3e épître de Jean. Il faudrait la lire en entière. On va la lire en entière. On a l'apôtre Jean qui écrit à un certain Gaius et qui se réjouit, il est dans la joie de voir Gaius marcher selon le Seigneur et avoir une bonne réputation auprès de tous. Et donc voici ce que l'apôtre Jean écrit à Gaius. Donc à partir du verset 1, l'ancien, donc c'est Jean qui se nomme ainsi, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux
pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotref, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, et il les en empêche, et les chasse de l'église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, et je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Et donc dans cette épître, l'apôtre Jean va exprimer à Gaius qu'il est encouragé et qu'il est dans la joie de voir la bonne réputation que certains ont en Jésus-Christ. Notamment Gaius, et puis on a aussi Démétrius. Là. Tous, c'est la vérité elle-même, rend un bon témoignage à Démétrius. Démétrius. Et nous, encore une fois, quel est... Donc là, il n'est plus question nécessairement d'une église, mais individuellement, personnellement, moi, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est ma réputation? Est-ce que j'ai la réputation, comme c'est écrit ici, de quelqu'un qui marche dans la vérité? Est-ce que j'ai la réputation, comme c'est écrit dans Jean, de quelqu'un qui agit avec fidélité, qui agit fidèlement, de loyal? On peut compter sur la personne. Philippiens, chapitre 1, Philippiens chapitre 1 et versets 27 à 30. Paul écrit donc à cette église de Philippe, et voici ce qu'il leur dit. Je vous invite à lire tout chapitre chez vous pour avoir le contexte. Mais à partir du verset 27, il leur dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant du même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » Et Paul, il dit à cette église de Philippe, je ne sais pas si je vais pouvoir venir vous voir ou pas, dans le contexte au-dessus, il dit, je ne sais même pas si quand est-ce que je vais mourir. Je suis pressé de deux côtés, et mourir à l'aide de Christ, c'est de loin le meilleur, mais bon, je sais qu'il faut que je reste encore, parce qu'il y a encore des choses à faire avec vous. Mais Paul dit, voilà, je ne connais pas l'avenir, plus que ça, je ne sais pas si je pourrais venir ou pas. Mais dans tous les cas, je souhaite une chose. C'est que soit que je ne vienne pas, que je sois là, que je ne sois pas là, peu importe au final. Ce qui compte, c'est ce que je vais entendre dire de vous. De la manière dont vous vous comportez, de la manière dont vous vivez votre foi ensemble. Et il leur dit, on l'a lu au verset 27 au début, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. C'est fort, hein, ça. C'est très fort. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Alors, ça englobe plusieurs choses. Rémi en a partagé une partie ce matin, par exemple. Témoigner de la grâce. Être des artisans de paix et des artisans
de grâce. C'est prendre exemple sur le Seigneur Jésus. C'est se souvenir d'où nous venons, ce que nous étions, et la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. D'être pardonné de nos péchés, d'être sauvé, d'être appelé enfant de Dieu, d'avoir une place au ciel qui nous est réservée et garantie pour l'éternité. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. C'est l'Évangile qui nous proclame cela. Et donc Paul dit, peu importe, mais je veux entendre dire de vous, quoi qu'il arrive, que la manière dont vous vivez votre vie en tant qu'Église est une manière qui va glorifier l'Évangile de Jésus-Christ et qui est selon l'Évangile de Jésus-Christ. Toujours dans le verset 27, il leur dit, on l'a lu, que vous demeurez fermes, que j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit. Dans un même esprit. Demeurez fermes. Que vous ne soyez pas des chrétiens qui soient chancelants, qui soient hésitants, qui soient une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Une fois oui, une fois non. Que vous soyez fermes dans un même esprit, celui du Seigneur Jésus. On l'a chanté ce matin, béni soit le lien qui nous unit en Christ. Que vous soyez fermes dans ce même esprit. Élie reprochait au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds, hein? Une fois on y va, une fois on n'y va pas, une fois on y va, une fois on n'y va pas. On choisit l'un, on choisit l'autre, on choisit l'autre. Non. Ferme. La fermeté. La fermeté. C'est ce que Paul leur demande ici. Et c'est ce qui fait partie du bon témoignage et de la réputation à avoir. Quelqu'un ou une église qui est ferme dans un même esprit. Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Force aussi. Hein. C'est ainsi que Paul voulait entendre parler des Philippiens. Que la réputation de cette église s'assoit, c'est une église où ils combattent tous d'une même âme. Donc il y a une unité, hein, il y a vraiment une unité. Hein. Ils combattent tous d'une même âme pour la foi de l'Évangile. L'Évangile est propagé d'un même cœur et d'une même âme. C'est le but de cette assemblée, de cette église. Au verset 28, il leur dit sans vous laisser effrayer par les adversaires. Hein? Et c'est aussi, voilà, c'est aussi la réputation de cette église que Paul voulait entendre, soit qu'ils viennent, soit qu'ils ne soient pas là, c'est que c'est une église qui ne se laisse pas ébranler par les attaques de l'ennemi. Il y aura des attaques de l'ennemi, il y aura des adversaires. Et ils prendront toutes les formes et toutes les couleurs et tous les goûts et tout ce que vous voulez. Hein? Ils seront teintés de tout. De dehors, de dedans, de partout. Il y aura des adversaires. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il y en aura, on le sait. Le Seigneur Jésus nous a prévenu à l'avance. Il y en aura toujours. Hein? Et ne croyez pas qu'on a vécu le pire, on ne le sait pas. Il y en aura toujours. Mais ce que Paul dit ici, c'est qu'on ne doit jamais se laisser effrayer, ébranler, déstabiliser par ses adversaires et par ce qui arrive. Parce que c'est pour eux une preuve de perdition, mais pour nous de salut. Et au verset 29, il dit que de toute manière, non seulement en marchant d'une manière digne de l'Évangile, en recevant l'Évangile, hein, c'est une grâce que nous avons, c'est une grâce de recevoir l'Évangile et de marcher avec le Seigneur, mais c'est aussi une grâce de souffrir pour lui. Il est par une église, hein. Il parle d'une église de souffrir ensemble. Hein. Il leur dit, c'est une grâce de souffrir ensemble pour l'Évangile. Et si vous souffrez ensemble pour l'Évangile, en tenant ferme, d'un même esprit, combattant, hein, en se conduisant digne de l'Évangile, alors vous aurez la réputation que Dieu veut pour vous. Et une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, de très loin. On peut être une église très riche, financièrement parlant, hein, mais avec une mauvaise réputation. Et dans l'Apocalypse, à une certaine église, il a dit, tu te crois riche, mais tu es pauvre. Tu te crois vêtu, mais tu es nu. Tout ça n'est qu'illusion. Hein.
Tout ça n'est qu'illusion. C'est... Non. Que le Seigneur ne fasse pas ce reproche-là. Et alors, si le Seigneur bénit matériellement, ben, gloire à Dieu. C'est pas la question. Gloire à Dieu et merci Seigneur. Hein, on le remercie. Mais bien plus que des finances qui vont bien, bien plus que cela, est préférable la réputation d'une assemblée qui marche d'une manière digne de l'Évangile et qui se conduit comme le Seigneur Jésus le demande. Et c'est de bien loin préférable pour une assemblée, et c'est de bien loin préférable pour chacun d'entre nous. C'est le regard des hommes. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais été, qui ne s'inquiètent pas. Ça dépend, on n'est pas tous les mêmes caractères dans ce genre de choses, mais je fais partie de ceux qui ne se sont jamais inquiétés de ce que pensent les autres. Même avant d'être chrétien. Je ne faisais pas partie des... Je ne faisais pas comme les autres pour faire comme les autres, parce que sinon, c'est des choses... voilà. Néanmoins, il faut trouver un équilibre en tout. Il y a ceux qui se fichent éperdument de tout ce que les autres pensent. Hein. Il y a ceux qui ne vivent que pour ce que les autres pensent. L'un comme l'autre, c'est pas bon. Hein. Bien évidemment, ce sont des extrêmes à éviter. Et il y a un équilibre dans toutes ces choses. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons cet équilibre. Cet équilibre, c'est néanmoins que nous avons une réputation. Quoi que nous voulions pas, nous avons une réputation à tenir. Parce que nous représentons le Dieu vivant et vrai. C'est pas pour nous-mêmes, hein, mais c'est pour le Seigneur. Nous représentons le Dieu vivant et vrai. Aux yeux des hommes qui nous entourent, aux yeux des autres frères et sœurs d'autres assemblées, comme on le voit aussi dans la Bible, hein, et parfois la Bible parle aussi des anges, hein, qui plongent leur regard dans l'Église et qui nous regardent vivre. Et nous sommes un témoignage pour tout cela. Et nous avons une réputation à la tenir. Alors tenons-la, par la grâce de Dieu, bien évidemment, parce que nous sommes ce que nous sommes, hein, c'est pas la question. Mais par la grâce de Dieu, ensemble, tenons-la. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, tu sais ce que nous sommes, tu sais qui nous sommes, tu connais nos cœurs à chacun d'entre nous. Nous sommes devant toi et simplement, Seigneur, nous voulons te prier d'un même cœur et d'une même âme, que nous ne soyons pas de ceux qui portent atteinte à ta réputation. Toi, Seigneur, Seigneur Jésus, qui as connu de tout en termes de réputation sur terre, tu es resté fidèle. Et que les hommes aient été d'accord avec toi ou pas, le témoignage que tu as été vrai a pu être rendu. Et le témoignage que jamais homme n'a parlé comme cet homme a été rendu. Seigneur, donne-nous de vivre de toi, individuellement, en tant qu'assemblée. Aide-nous à nous montrer, Seigneur, dignes de l'Évangile, dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos choix de vie. Seigneur, donne-nous cet équilibre qui nous manque bien souvent. Seigneur, nous ne te demandons pas ces choses pour nous-mêmes ou pour nous glorifier. Mais nous te le demandons pour que, par la réputation d'être fidèles à l'Évangile, nous puissions être un encouragement pour les autres assemblées, pour les frères et sœurs, que nous puissions être donner soif et faim à ceux qui ne te connaissent pas, de te connaître. Que nous soyons des ambassadeurs fidèles dans ce que tu nous demandes. Et merci. Merci Seigneur pour la grâce immense, c'est vrai, dont tu fais preuve à notre égard, à chacun individuellement, à l'égard de l'Assemblée, à l'égard du monde qui se perd,
Sois béni, Seigneur. Et aide-nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.